Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mon dernier ouvrage, donc qui est ce très joli tapis. Alors, c'est un tapis que je vais utiliser personnellement pour ma salle de bain. Je l'ai réalisé avec le fil Jean Plus, qui est un fil de 55% coton, 45% acrylique, 100 grammes, 160 mètres. J'ai crocheté la chaînette de fondation en 6 et tout le restant de l'ouvrage en crochet 5. Pour les dimensions de ce tapis-là, c'est-à-dire 70 de long et 54 de hauteur, au tout départ j'avais dans l'idée 50 et finalement j'ai fait 54, j'ai utilisé 4 couleurs, 4 pelotes de la couleur principale, donc pour moi le jaune. Et ensuite, une pelote pour l'ivoire et une pelote pour le top. Vous retrouvez ce très joli fil dans notre boutique lainedumonde.com. Vous aurez le lien en barre d'infos. Alors, c'est un fil, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voyez, qui a une rondeur. Et en même temps une légèreté. Il est vraiment, vraiment très agréable, très moelleux. Ce qui fait que ça nous donne un travail, voyez, très épais. Alors le point que j'utilise aussi permet d'avoir du relief et de l'épaisseur, mais le fil n'est pas pour rien non plus. Donc là, sur le côté endroit, on a ce relief. Très intéressant, et à l'arrière, c'est bien plat. Voilà, donc le design, vous allez vous le gérer comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de faire comme ça des bandes, une bande plus large au milieu, encadrée de deux bandes un petit peu plus fines. Avec cette couleur jaune très éclatante, dominante. La bordure des côtés de l'ouvrage est vraiment intéressante. Elle se crée toute seule en crochetant, avec la façon de finir le rang. Donc, je n'ai rien rajouté de plus parce que ça, c'est vraiment très joli comme ça. Juste une petite bordure en haut, en maille coulée, et en bas également. Voilà, je l'ai faite contrastante. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'espère plutôt vous donner envie de vous lancer dans un ouvrage de ce style pour votre intérieur. Et bien écoutez, si c'est le cas, lançons-nous dans la vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser le point double face sur une petite surface. On peut appeler ça, si on veut, un échantillon. Ensuite, je vous donnerai toutes les indications pour le tapis, pour les dimensions, le nombre de mailles à monter. On verra ça ensemble. De faire cet échantillon, également, ça va nous permettre de voir comment calculer le nombre de mailles à monter. Je vous expliquerai ça en temps voulu. Pour l'instant, je vais vous donner en détail la méthode pour ce point. J'ai déjà utilisé ce point, en fait une variante de ce point pour trois autres ouvrages. Alors j'avais fait un tapis avec la ficelle Gaïa, la ficelle de jute. J'ai fait aussi une anse, comment faire des anses de sac très rigides et une ceinture. Alors là, la ceinture, je l'ai là. Voilà. Donc, cette méthode de la maille serrée double face, eh bien, permet d'avoir un travail qui ne bouge pas, très serré. Alors, aujourd'hui, c'est une variante du point, des autres points, de l'autre point. Je vous conseille quand même, pour les anses de sac et les ceintures, de rester sur donc le point d'origine
qui est quand même plus condensée. Là, cette variante va donner donc un résultat visuel un petit peu différent, mais va quand même donner l'épaisseur, le moelleux, enfin tout ce qu'il faut pour faire un beau tapis qu'on appréciera. On vous mettra en barre d'infos les vidéos des autres ouvrages qui ont déjà été réalisés, si vous avez envie de les visionner, bien sûr. Alors, tout d'abord, je vais monter avec un crochet 6 la chaînette de fondation et ensuite, pour le restant de l'ouvrage, je passerai avec le crochet numéro 5. Nombre de mailles indifférent, pair, impair, peu importe. Alors, je démarre ma chaînette. Alors, je vais partir, allez, sur 20 mailles. 1, 4, 5. J'ai fait les 20 mailles, donc je fais une de plus pour tourner. Là, je change mon crochet, je prends le crochet 5. Alors, le fait de changer, d'avoir fait la chaînette de fondation avec un crochet plus grand, eh bien, ça donne un petit peu plus d'élasticité à la base. Et cette dernière maille que je viens de la plus une là pour tourner, je la marque. Voilà. Maintenant, je vais faire un rang de préparation en faisant des mailles serrées, mais au lieu de les prendre ici de façon normale, je vais les prendre à l'arrière. Voyez, ici, j'ai des petites mailles, des brins qui sont comme ça à la verticale. Voilà, et bien c'est là que je vais aller piquer, dans ce brin envers. Je passe dessous et je fais ma maille serrée. Et je vais à côté et je fais pareil. Voilà, je vais peut-être pas bien attraper. Voilà, je vais en faire quelques-unes et je vais vous montrer le résultat de faire de cette façon-là. C'est pas anodin, c'est pas pour rien. Il y a quand même une raison. Alors, déjà, ça rajoute encore de l'élasticité à l'ouvrage de base. En plus, c'est beaucoup plus joli parce que quand on regarde le haut du travail, on voit bien les V. Mais quand on retourne, on a aussi les V. Que si on ne prend pas la maille dans ce brin-là, on n'a pas les V. Faites les essais et vous verrez la différence par vous-même. Alors, si on n'arrive pas à attraper bien le brin, on peut s'aider en tirant sur la boucle là, enfin sur ce brin-là. On peut aussi prendre le crochet de cette façon et voilà, glisser. Des fois, si on a un peu plus serré ou ben voilà, on peut être un peu embêté, donc il ne faut pas se gêner à trouver les solutions pour s'arranger la vie. Allez, je termine, je vous retrouve à la fin du rang. En fin de rang, il me reste 2 mailles. Faut bien la prendre, pas au milieu des mailles, enfin des fils plutôt. Voilà, donc là, mon rang de préparation est fait. Vous voyez, c'est bien souple. C'est parfait. Donc là, je tourne et je vais attaquer le premier rang de mon point. On est sur 2 rangs. Là, je fais le premier rang. Le premier rang et je serai à l'envers. Je vais faire un rang de mailles serrées brin arrière.
Quand on fera ce rang maille serrée brin arrière, on aura la queue de fil à droite. Ici, on a la maille avec le brin avant et le brin arrière. Donc, je vais aller dans le brin arrière. Alors, je passe sous le brin arrière, je récupère le fil et je fais la maille serrée. Je vais à côté, sous le brin arrière, maille serrée. Voilà, tout simplement, comme ça, tout le rang. En fin de rang, j'ai ici une maille à faire. Voilà, et là où j'ai mis le marqueur, eh bien, je vais venir faire ma toute dernière maille. Alors là aussi, on cède. Voilà. Ça, c'est le premier rang du point. Maintenant, je vais faire le rang numéro 2 du point. Tout d'abord, on va regarder ici. On a ces mailles qui sont en relief. C'est parce qu'on a pris en brin arrière et ça nous a donc formé ce relief qui va nous être utile maintenant. Alors, je tourne pour le rang numéro 2 du point. Et là, je prends aussi encore, comme tout à l'heure, le brin arrière, mais je viens prendre, là il y a deux brins, le premier des deux brins du rang précédent. Je vous laisse bien regarder. Donc là, j'ai la boucle qui était sur le crochet, brin arrière et le premier des deux brins du rang précédent. Et là, je passe sous mes deux brins, un jeté et je fais ma maille serrée. Quand on fait ce rang où on prend brin arrière et le brin en bas, là, dans le rang précédent, on a la queue de fil à gauche. Voilà. Donc ça, pour se repérer, c'est important de le savoir. Donc là, je prends le brin arrière et le premier des deux en bas. Je passe mon fil sous les deux brins, un jeté, et je fais la maille serrée. Sur le point que j'ai utilisé dans mes autres vidéos, ce rang-là, on le fait à chaque fois. Chaque rang. Que là, on alterne un rang de maille serrée brin arrière et un rang de maille serrée brin arrière et le brin en dessous du rang précédent. Alors, on fait ça tout le rang et on va finir le rang ensemble. À la fin du rang, il faut faire attention. C'est que, voyez-vous ici, la dernière maille se fera ici, sous ces deux brins qui sont comme ça sur le côté. Ça, c'est la dernière maille. Mais il ne faut pas rater celle-ci. Là, voyez le V? Celle-ci, elle est des fois un peu cachée. Si vous l'oubliez, vous faites une diminution. Donc là, brin arrière et le brin en bas. Je fais la maille serrée. Et là maintenant, je vais passer sous ces deux brins ici, là, qui sont comme ça sur le côté. Maille serrée. Voilà, là on est du côté endroit du travail qui va former ces reliefs et l'autre côté sera plat. Je reprends maintenant mon rang
de maille serrée, le rang 1, je répète le rang 1, je tourne, maille serrée, embrun arrière simplement. Voilà. Que le brin arrière. Alors, on se retrouve pour finir le rang encore une fois. Ensemble. Fin de rang. Alors, j'ai une, deux et trois mailles encore à faire. Une, celle-ci, ne pas l'oublier. Deux, et sous les deux brins ici sur qui sont sur le côté. Voilà. Je tourne et je fais le rang numéro 2 du point où je reprends brin arrière et le premier brin des deux. Et je fais la maille serrée. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. On répète deux rangs, donc franchement, rien de bien sorcier. Ici, on n'oublie pas. Celle-là, n'hésitez pas à la faire un peu souple. Cette dernière maille-là, sur le rang numéro 2. Parce que des fois, ça peut tirer et déformer un peu l'ouvrage. Alors, voilà, faites-la bien assez souple. Voilà, donc je vais continuer, monter encore quelques rangs comme ça, hein, ça, suivant cette répétition. Et puis, on va se retrouver pour le changement de couleur. Bien, maintenant je vais juste faire un changement de couleur, ça va être très simple. Alors, je fais ma dernière maille, je passe le fil sous les deux brins et avant de fermer, de finir la maille serrée, je prends la nouvelle couleur et je la termine avec la nouvelle couleur. Donc, bien sûr, ça, on le fait sur le rang en droit, que de fil à gauche. Donc là, maintenant, je tourne et je vais reprendre mon travail avec la nouvelle couleur. Alors ça, je tiens, voilà, comme ça, il faudra les rentrer après, hein. Et je suis donc sur le premier rang du point, donc juste en maille serrée. Brin arrière. Donc j'ai fini le rang, je tourne et je fais le deuxième rang. Alors là, je pique brin arrière et le premier brin des deux, donc qui lui sera bien sûr bleu. Enfin, bleu pour moi. Voilà, donc on repart brin arrière et premier brin du rang précédent. Et on continue de la même façon. Alors en fin de rang, ben, je fais pareil, hein. Mes deux mailles, celle-là où il faut aller la chercher, qu'elle est un peu cachée. Et là, sous les deux brins qui sont sur le côté. Voilà. Donc on reproduit ça. Alors évidemment, on coupe et après on va cacher. Donc on reproduit les changements de couleur, ben, suivant le motif que l'on compte réaliser. Alors, regardez la jolie bordure que ça fait sur les côtés. Voilà, donc ça c'est le côté en droit qui nous donne, alors, on va le regarder
Voilà, il y a de l'épaisseur, il y a du gonflant, c'est moelleux. Et le côté en verre, il est ben, bien plat. Très très joli point. Une fois qu'on a terminé son ouvrage, on coupe le fil, on fait une maille en l'air, on tire sur le fil et on resserre bien le nœud. Voilà. Alors ensuite, évidemment, tous ces nœuds-là, on va les rentrer sur l'arrière du travail en rentrant bien dans chaque couleur. Hein, voilà, pour que ça se voit le moins possible. Sur les côtés, je ne ferai pas de autre chose, pas de bordure particulière, parce que la bordure qui s'est créée naturellement, elle est déjà très jolie. Je ferai par contre dans le bas du tapis et dans le haut une bordure. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, on reste sur le côté endroit du travail. Là, j'ai tourné pour aller avec une couleur contrastante vous montrer précisément ce que je vais faire. Donc, je viens me placer ici, dans la première maille. Je passe mon fil. Et je vais venir faire tout simplement un rang de mailles coulées. Donc, dans la maille suivante, je pique. Non, ça, je ne vais pas le prendre. Voilà, je pique. Et je ressors le fil. Je vais la maille suivante, j'attrape le fil et je le passe à travers la boucle. Tout simplement. Alors, sans serrer les mailles coulées pour pas que ça resserre mon travail. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça dans chaque maille. Arrivé dans la dernière maille, j'ai donc fait ma maille coulée. Là, je vais couper le fil. Tirer, passer dans l'aiguille à laine, et là je viens piquer ici sous ces deux brins pour passer mon fil de l'autre côté. Alors là maintenant, je vais faire un petit nœud. Alors, je tire sur le nœud, mais je fais attention de ne pas déformer ici, hein. Voilà. Et maintenant, ce petit nœud, ce petit fil, pardon, je vais le cacher. Alors, pour le cacher, je vais passer comme ça, en aller-retour sous les boucles. Je vais en faire le plus. Et surtout, je vais faire en fonction de faire la dernière vers l'intérieur du travail. Voilà. Pour pas que éventuellement ça rebique en dehors du tapis. Et après, voilà, je coupe. Et celui-ci, bien sûr, je vais faire pareil. Celui du départ, je vais le cacher ici comme ça, et ensuite tous mes fils, ben évidemment, je les cache comme on aura fait pour les autres. Voilà, donc ça va nous donner cette petite bordure toute simple. Et je ferai la même chose en haut, ici.
Voilà. Nous avons vu comment réaliser le point. Maintenant, on va regarder avec cet échantillon comment déterminer le nombre de mailles qu'il faut monter. Alors, soit on prend le centimètre et on va regarder sur 10 cm. On pose le centimètre comme ceci et on compte les mailles qu'il y a sur cette distance-là. Ou alors, on a un petit outil bien pratique. Voilà, alors ça fait jauge également hein, pour savoir quand on n'a pas les numéros inscrits sur les aiguilles ou les crochets, pour savoir la taille de l'outil. Ici, on a un coupe-fil. Et donc ici, un petit cadre pour bien compter les mailles. Alors, on le pose, voilà, juste devant une maille. Et ici, on a 10 cm et on compte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ici, là, j'ai montré ici, 13 et une demi. Donc là, sur mon échantillon, pour 10 cm, j'ai 13 mailles et demi. Donc, je ramène ça à 1 cm. Donc, 13 et demi divisé par 10, ça me fait 1,35, une maille 35 pour 1 cm. Maintenant, moi, je souhaite que mon tapis ait une longueur d'environ 70 cm. Donc, je prends une maille 35, 1,35, multiplié par 70. Et là, ça me donne donc 94,5 mailles. Je vais donc arrondir à 95 mailles. Donc, je vais monter une chaînette de fondation de 95 mailles suivant mon échantillon et la longueur que j'ai souhaitée. Je vais monter 95 mailles plus une pour tourner. L'ouvrage fera après toujours 95 mailles. Pour la hauteur, eh bien, je fais dans l'autre sens. Et là, je me rends compte que j'ai 10 fois le point, comme le point est fait de 2 rangs, donc j'ai 20 rangs pour 10 cm. Ceci va vous permettre de calculer les motifs que vous allez réaliser, combien de parties bleues, combien de parties de rangs d'une autre couleur, alors 2 rangs, 4 rangs, 6 rangs, voilà, ça va vous permettre, et sur la hauteur que vous souhaitez, donc à peu près, moi je vais partir à environ sur 50 cm de hauteur, voilà, ça va permettre, sachant combien de rangs aux 10 cm, donc combien de rangs à 1 cm, là pour le coup, 2 rangs, font 1 cm, ça va permettre de calculer sur papier, de faire des dessins, de schématiser, voilà, pour avoir l'ouvrage que vous souhaitez. Maintenant, nous passons à l'ouvrage définitif. Je répète, j'ai monté 95 mailles en l'air plus une. Alors, j'ai fait une première bande avec donc 20 rangs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 fois le motif. Ensuite, j'ai fait un motif de ivoire, 2 rangs, 2 motifs de taupe, 4 rangs, à nouveau un motif de ivoire, donc 2 rangs, je suis repassée au jaune en faisant 10 motifs, donc 20 rangs. Ici, en ivoire, j'ai refait 2 motifs, donc 4 rangs. Ensuite, 4 motifs de taupe, donc 8 rangs. À nouveau, 2 motifs de ivoire, 4 rangs. J'ai répété 10 motifs de jaune, donc 20 rangs. Et j'ai refait, comme au départ,
un motif d'ivoire 2 rangs, deux motifs de taupe 4 rangs, un motif d'ivoire 2 rangs. Et pour finir, comme au départ, du jaune avec 10 motifs, oui, de jaune, 10 motifs, donc 20 rangs. Alors, je vais le tourner dans l'autre sens pour que vous voyez peut-être l'ensemble du design, ce que ça donne. Voilà. Alors, je suis arrivée finalement à une hauteur de 54. Parce que finalement, j'étais partie sur ces bandes-là comme ça. Et puis, j'ai décidé de faire au centre plus grand. Donc, du coup, j'ai une hauteur de 54 sur une longueur de 70. Voilà, donc très épais. L'arrière bien plat et le devant avec le relief. Je vais terminer mon rang, donc je suis bien sûr sur le côté en droit. Je vais couper le fil, faire une maille en l'air et tirer. Alors maintenant, il nous faut rentrer les fils, donc j'en ai fait une partie. Donc pour ça, je me mets sur l'envers et je vais rentrer les fils donc je vais essayer de rester dans la couleur. Voilà, donc par exemple là, je vais venir comme ça. Je vais rentrer, passer sous le fil jaune. C'est juste qu'ici, il faut pas trop tirer. Il faut bien le rentrer, mais il faut pas trop. Voilà, il faut que ça soit cohérent avec le restant de la bordure. Et ne pas tirer trop le fil pour pas faire ici un rentré. Voilà, donc tout simplement je vais faire ceci. Voilà, je vais faire un petit retour. C'est toujours bien de faire un retour. Ça évite que le fil s'échappe. Voilà. Et je vais couper bien à ras. Et je fais les autres. Je rentre tous les autres fils et on se retrouve ensuite. J'ai complètement terminé mon tapis. Donc, je répète les dimensions 70 de long sur 54 de hauteur. Je vous montre la bordure. Voilà. Les bordures du bas et du haut. Les bordures donc en maille coulée. Voilà. Le travail à l'arrière, donc bien plat. Je vais vous le mettre dans ce sens pour vous montrer. Essayer de vous montrer dans l'ensemble, même pas, les rayures. Donc, plus fine ici et un petit peu plus large au milieu. Voilà. Je vous montre quoi d'autre. La bordure, ici sur les côtés, qui est tellement jolie. Un petit peu comme ça, dentelée, crantée. Ce papa est terminé. J'espère que mon ouvrage vous plaît, vous inspire, vous donne envie d'en créer pour votre intérieur, que ce soit
la chambre, des descentes de lit dans d'autres dimensions, salle de bain, celui-ci va être pour la salle de bain, et puis ou plein d'autres possibilités aussi. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet ouvrage. Merci de le liker si vous l'avez aimé, puis de partager également. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Au revoir.